J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce dédiée. Le nouvel et le nouveau, je vous souhaite soyez les bienvenus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Bonjour, bande de sur Balandi. Ange, car astuce beauté, n'aimez bino na combo na esu na pesi no beauté. Na kaniste te boza ma lamu. Nga na za bien. Nzambe ya lola azo batela. Merci d'abîmer nous surtout, dans ma commune sur vos salles, les commentaires, j'aime, les likes, voilà. Et on apprécie nous. Merci beaucoup, mais la vous avez kawana, on aime nous fort. Pour une nouvelle vidéo, voilà, aujourd'hui ça ne sera pas le soin de corps, ça sera le masque capillaire. Ça sera le soin des cheveux. Je vais vous montrer comment faire un masque pour hydrater les cheveux, les masques hydratants pour hydrater les cheveux. Pour les gens qui ont toujours les cheveux très durs, les cheveux, surtout peignes, côte à côté, en fait. Donc, je vais vous montrer comment réaliser ces masques. Alors, c'est un masque qui coûte rien en fait. Pour moi, ça coûte rien parce que ce sont les ingrédients, toujours les ingrédients du placard, les ingrédients qui traînent dans toute la maison, je peux dire. Dans le frigo, il y en a partout. Et ça se vend vraiment partout. Voilà. Bande de kololo, et ça, masque à souki. Alors, ça vient de nous la masque pour nous l'émission souki. Cheveux naturels, cheveux crépis. Donc, pour nous lemisa souki na yo eko lemisa loko la défrisage te meko lemisa po peigne eko ça parce que ces derniers temps bato belé ba li nako défriser souki te ba komo nako sikaka souki naturel. Alors souki pose à la naturelle et à la pété, il faut qu'on soit soin na yango. Aux soin na yango na biloko ya produit à chercher ya bon belé eza nango mais eza pe na biloko mususu ezo traîner ka na ndako. Pour ça, peut-être que tenté au magasin que nous reçois ma produit pour Ocha Openi Suki. Donc, pour moi, pour Ocha Suki, nous avons les mba. Et ça, nous avons ingrédients. Moi, j'ai mis Kemiki Kaka Ono, la Sabino. Nous avons réalisé Matuana pour nous hydrater. Et ils ont hydraté vraiment Suki. Très bien, surtout cheveux naturels. Suki a ma casse, ou alors, à ma casse, ou surtout, pas Suki a banne. Surtout les cheveux des enfants. Les enfants, des fois, ont du mal à accepter qu'on le peigne les cheveux. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, si vous utilisez ces masques, ça va vraiment vous aider à faire entrer le peigne sur les cheveux, dans les cheveux de vos enfants pour bien peigner. Sauf que ça, les masques, ils vont aider bien vraiment. Bon, soin, il y a pas de soin qui a ça même pour tirer des frisages. Alors, masque, on a besoin de yaourt nature, on a besoin de huile d'olive, on a besoin de miel, on a besoin de huile de coco. Alors, pour réaliser ces masques, je vais avoir besoin de l'huile d'olive, yaourt nature, du miel et l'huile de coco. Je vais vous montrer comment le réaliser. C'est vraiment un vite fait et ça marche très bien. Moi, ces derniers temps, je n'ai pas les cheveux, j'ai coupé mes cheveux. Du coup, je vais commencer maintenant à prendre soin de ça dès qu'ils sont encore trop petits jusqu'à ce que ça va devenir encore long, voilà. Et pour ça, je vais commencer dès maintenant à prendre le soin pour que ça ne soit pas trop sec, que ça soit toujours hydraté, même si c'est les cheveux naturels. Comme je dis de temps en temps, à ce qui concerne la quantité des ingrédients, vous allez utiliser, vous allez prendre la quantité que vous voulez par rapport aux longueurs de vos cheveux. Dans les cas, la quantité à ingrédients, bogozo quantité oyo et sengé na bino sokoza suki ebele okosa la yaourt nature peut-être mibale sokoza suki mukie okosa la yaourt nature peut-être moitié ou soit cuillère ndetinga nazana na suki mukie non c'est la juste cuillère moko kaka ya cuillère moko soit cuillère moko na ndambu ya yaourt nature. Donc alors voilà, je vais mettre le yaourt nature, juste cette cuillère pour moi parce que j'ai pas beaucoup de cheveux. Je vais mettre moitié d'une cuillère à soupe de l'huile d'olive, moitié d'une cuillère à soupe d'huile de coco. Par contre, le miel, je vais mettre un peu plus parce que c'est ça qui va vraiment aider à hydrater très bien mes cheveux. Voilà, je n'en ai même pas beaucoup et je crois que je vais tout mettre. Le miel, je ne vais pas mesurer parce que j'en ai pas beaucoup. Mais par contre, je vais vous montrer comment est-ce que la pâte va se ressembler. Enfin, j'ai plus de miel. Je fais ça. Je vais vous montrer comment est-ce que la pâte va se ressembler.
huile d'olive, natier huile de coco, natier na miel. Alors miel faut vous un peu plus parce qu'il y a un de aider vraiment et hydrater et l'aimer. Ça vraiment suit la vino très bien. Mettez la quantité, ça dépend de longueur de vos cheveux, voilà. Si vous avez beaucoup de cheveux, il faut augmenter maintenant la quantité. Moi, je ne prends plus beaucoup de miel, c'est pour ça que je vais prendre tout. Voilà, vous voyez la pâte. Donc, tous les quatre ingrédients, ça va vous permettre d'avoir les cheveux très bien hydratés. Ça va vraiment hydrater vos cheveux. Même si vous aviez les cheveux trop durs, ça va vraiment vous aider à hydrater et à assouplir les cheveux. Les cheveux vont devenir très souples. Alors, après avoir fait ça, vous allez appliquer sur vos cheveux. Appliquer ça bien dans... Vous allez vraiment mettre tout dans les cheveux, appliquer bien en faisant, très bien en faisant deux massages. Vous faites bien le massage sur les cheveux, en massant vraiment vos cheveux. Prenez les sacs, le sac en plastique. Couvrez votre tête avec les sacs en plastique. Restez avec ces masques 20 minutes. Après, vous allez rincer vos cheveux. En rinçant vos cheveux, vous allez voir que vos cheveux, ça ne sert à rien de rajouter encore quelque chose pour hydrater parce qu'avec l'huile d'olive, et l'huile de coco, ça va vraiment hydrater très bien vos cheveux et vos cheveux vont devenir très souples. Vous aurez maintenant la possibilité de peigner tranquillement, même si ce n'est pas défrisé. C'est pas frisé plutôt. Voilà, bande de coco, vous masque au nez, vous avez un masque au nez, vous avez un masque au nez, vous avez un masque massage bien au nez, partout avez un masque au nez, vous avez un masque au nez, vous avez un masque au nez, vous au tiango, aussi ça. Voilà, je vous dis encore merci pour aujourd'hui, pour tous mes abonnés. Bonjour à toute personne qui s'abonne tous les jours à ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires, tous vos j'aime, tous vos petits mots, tous vos encouragements. Franchement, ça me va droit au cœur. Et je demande aux nouvelles et aux nouveaux, s'il vous plaît, abonnez-vous, soutenez votre sœur, je suis là, soutenez-moi, sans votre soutien, je suis nulle sur YouTube, je suis rien sur YouTube, alors j'ai besoin vraiment de votre soutien, venez nombreux, continuez toujours à vous abonner, à liker, à commenter et à partager mes vidéos. Aimez-moi vivant, tant que je suis encore en vie, aime-moi vivant, soutiens-moi, commente mes vidéos, aime mes vidéos, partage mes vidéos, ça me fera plaisir et les bons dieux va vous bénir. Alors je vous dis, nous allons nous revoir peut-être demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Si vous essayez ces masques, n'oubliez pas de revenir vers moi pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ce que ça le masque, oh yo, zongela ngoy psanga yi, omoni ndenge nini, makam nini okutena ngokuna. Alors, on appelle si nous mbote na kumboa yesu. Bye bye!